Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, je me dépêche. Il doit être midi, je suis en plein montage, je vais bosser devant l'ordi. J'ai ma serviette, je vous montre pas, sur la tête, j'ai fait un soin, j'essaye de réparer mes cheveux. Allez, à tout à l'heure. Bon, cette fois-ci, je vous retrouve prête. Et bah, je voulais vraiment vous montrer, on va dire, la vérité sur mes cheveux. J'osais pas, ils sont tellement... Regardez. Ils sont tellement pétés que je n'arrivais pas à les laisser libres. Mais en même temps, je me dis que si je les attache tout le temps, ils vont pas non plus respirer comme ils devraient. Quand je vous disais qu'il faudrait presque que je coupe encore jusqu'ici, mais c'est compliqué quand tu as l'habitude d'avoir les cheveux super longs. C'est pas grave, j'ai encore fait un soin et puis je me dis que peut-être à un moment donné, ils vont un petit peu reprendre de vigueur. Je vous avais parlé d'ailleurs concernant mes cheveux, de plus en plus, hein, on voit ça sur internet, les fameuses bandes. Tape adhésive, même ma coiffeuse elle m'en avait parlé. Apparemment c'est vraiment bien sur pas mal de points de vue. Déjà ça les abîme pas, tes cheveux continuent à pousser, c'est moins cher, ça met 30 minutes en temps de pause, l'entretien c'est assez facile, ça tire pas, bref il y a beaucoup d'avantages. Donc je sais pas, je réfléchis, mais j'ai pas dit que je ne le ferai pas. Sinon, on va aller faire nos petites coursettes pour préparer le barbecue de ce soir. Nous, on doit prendre, si je me souviens bien, l'apéro, donc ça va être des bières, un petit peu de rosé, gâteau apéro, ce genre de choses. Et le dessert, bon, le dessert, ça va pas être compliqué, ça va être des glaces. On a demandé, ouais, ça va leur plaire aussi. Rien à voir, mais j'ai mis ma petite barrette, je l'avais pas encore mise avec les coquillages. Ça rend plutôt bien, voilà. J'adore, j'ai reçu ça ce matin. Je ne peux pas vous dire mon âge, il change tout le temps. Ben voilà, hein, c'est pour mon anniversaire, boutique Zodio, vous savez, de Zodio, c'est tout ce qui est déco, superbe déco. 10 euros sans minimum d'achat. Ça va, ça te dérange pas, maman, elle filme. Tu te mets carrément dessus, toi. Énervé encore. Oh. Ah bah, voilà. Voilà, il veut la carte. Là, je suis dans ma chambre, on va dire. Ma chambre officielle que j'occupe toute l'année. Et ça va faire un mois et demi que je n'y dors plus parce qu'en fait, c'est vraiment au deuxième étage, sous les toits. L'isolation est hyper mal foutue, donc c'est une chaleur, c'est irrespirable. Là, ça va vachement mieux, donc du coup, je dors plus ici. Mais bah, je stocke quand même tout ce qui est linge. Je fais un peu de tri, un peu de rangement. Et justement, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui seraient tout juste abonnés, mes cheveux, en fait, ils sont dans cet état, c'est depuis que je me suis fait poser des extensions kératine, donc à chaud. Je les ai fait poser, je les ai enlevés, j'en ai remis. Donc, mes cheveux n'ont jamais eu le temps vraiment de se réparer et de se régénérer. Donc, c'est le pourquoi du comment. Là, je suis en train vraiment, je teste tout ce que je reçois, soit par des marques ou quoi. Ça, c'était surtout sans parabène, sans sulfate, sans silicone. Donc, c'était pour pas faire glisser les points de kératine, mais là je vais passer sur des trucs beaucoup plus nourrissants, je pense. Ça par exemple c'est pas mal, peut-être la gamme Kérastase, je sais qu'elle nourrit vachement bien. Si vous connaissez des marques susceptibles de réparer en profondeur, je prends, dites-moi en commentaire. Et j'ai cette partie de la chambre qui est vraiment devenue un lieu de stockage, notamment les projecteurs. D'habitude c'est dans la chambre en bas, donc du fils d'Eric. Bon, voilà, comme il est là, j'ai tout mis ici. On a tout ce qui est plaid, manteau. Il y aura un boulot à faire à la rentrée. Et ah oui, c'est vrai. Je me dis vraiment que ce petit cadre, je l'adore. Oui, oui, là, celui-ci. Où il y a la dame qui est sur les WC avec une bière et qui fume une clope. Je l'aime bien. Je pense que je le mets... Je sais pas, mais peut-être je le descendrai et que je le mettrai dans la partie bureau. À voir. Tout ça pour dire que il va vraiment falloir que je m'attelle à ranger tout ça. L'heure est grave, les amis. C'est le moment où on se concentre. Et on fait la liste des courses pour rien oublier. Il est en train de se passer un phénomène qui s'appelle la flemme. Mais vraiment, avec Eric, on s'est posé, il s'est mis à pleuvoir et tout. Et le truc à pas faire, très dur après de se lever. Surtout, on était motivés, on était prêts pour partir. Et là, ça va être compliqué. On va tester, on va aller chez Lidl. On y va très rarement. Mais j'ai vu qu'il y avait certains produits apparemment qui étaient plutôt pas mal, donc je peux faire mon propre avis et
Voilà, donc sur les petites courcettes du jour, ça risque de se passer là-bas. Sauf s'il y a des produits forcément qu'on ne trouve pas, je serai obligée d'aller à Leclerc, mais pour le moment, je pense qu'on va viser ça. Bon, alors finalement, on est à Leclerc, parce que j'avais dit qu'on irait à Lidl, mais tu m'as dit quoi? Demain plutôt? Ou en deux temps? C'est ça, hein? Mon café surtout. Ah ouais, celui-là. Oh, il est trop bon. J'ai pris mon eau indispensable. On va choisir des petites glaces sympas. C'est pas ça qui manque. Alors. Ça fait pas rêver tout ça, hein? Au moment où on dit on va faire un barbecue. Tu penses que ça va se calmer? Barbecue pluvieux, ah. Barbecue heureux. Ok. On a laissé les trucs qui est gâteau apéro dans le coffre. Je pars dans une heure, un petit peu moins d'une heure. J'ai pris les glaces. Et puis, tout ce que j'ai pris. On a pris de l'eau, un peu de. Je vous montre les petites glaces que j'ai choisies. Vanille fruits rouge. Vanille fruits exotiques. Et celui-là, wow, poire chocolat, glace à la poire, sauce enrobée. Oh, miam. T'as encore laissé la lumière de dehors? Je suis dans ma courette qui va avoir besoin d'être bien rafraîchie. Je me suis attachée les cheveux. Moi, j'aime pas. J'y arrive pas. Ils nous ont appelés parce qu'ils ont oublié le charbon de bois. Donc, il va falloir qu'on passe. Parce qu'il est quand même 7h, moins 10. Let's go. La sécurité sociale. Attendez. On fume, on n'aura plus droit à la sécurité sociale. C'est pareil pour l'Allemagne. Pas besoin d'y aller à deux. Hein. J'espère qu'il y en a dans les petites supérettes du charbon de bois. Il refait beau, ça c'est bien. Et donc il s'est garé là en double fil. Il a même le moteur. Ah bah déjà. Cool. Voilà. J'ai fait vite là. Bah t'as fait plus que vite, nickel. Tu es beau. Qu'est-ce que tu fais là, petit piano? Tu as le droit? Non, il n'a pas le droit, justement, c'est ça qui est beau. Oui, écoute-moi, tu vas où comme ça? Qu'est-ce que tu fais, bébé? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop petit. Qu'est-ce que t'attends? Tu es trop petit pour sortir. Mais oui. Tu kiffes, hein, d'être dehors, j'ai l'impression. Tu dis bonjour? Tu es beau avec la citerne derrière. Je suis pas citerne que ça. Non, ouh! Jeu de mots. Non, mais regardez. Bah, regarde où il est. Il est posé. Ah, bah ça va. Ouais, il a la citerne. Apparemment, il est. Tu es très mignon. Petite partie de trivial, un peu apéro. Oui, clairement. Oui, c'est moi. C'est toi, quoi? 5. Je ne cherche pas. Je t'écoute. Quel sport collectif oppose deux équipes de 13 joueurs? Quel sport collectif oppose deux équipes de 13 joueurs? Le rugby, le football Non, mais c'est quoi? Ça, papa, tu veux pas non? C'est dans le nom du sport, en plus. Enfin, ouais. En vrai, t'as eu toutes les réponses, mais pas en soi. Ouais. Voilà. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire? Bah, dis. Non. Si. Tu as une dernière de chat? Ouais. Le rugby à 13. Vous êtes des salauds, j'ai dit rugby. Et 13, ah, mais... Non, mais c'est 15. Mais je crois qu'il y a un bébé chat qui s'est perdu, papa, tout au fond. C'est l'heure où on rentre. Il est minuit. On a bien mangé et ben là, je vais faire dodo. Ce vlog aurait été assez court. Je vais le clôturer maintenant. Je vais vous faire un gros... bisous, je vais dire ah, je suis pas sûre, je sais pas si demain je reprends. Je vous embrasse. Salut. Très belle nuit, très 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 belle lumière pour vlogger avec le petit truc. Nickel. Allez go.